Yup, tout le monde, c'est Gotaga. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je passe la main à Alex parce que j'ai la flemme. Vas-y, Coco. Mais elle a exactement dit... Non, Coco, allez, s'il te plaît, une petite... Yup, tout le monde, c'est Gotaga. Je passe le flambeau à Alex parce que j'ai la flemme. Yup, tout le monde, c'est Alex. Je passe le flambeau à Steph. Yup, tout le monde. Moi, je suis là pour la victoire. Donc, on va commencer par une petite présentation du premier jeu, mais c'est Camille qui va le faire. Yup, tout le monde. Alors, notre premier jeu, ça va être le curling et je laisse Mel expliquer les règles. Salut. Aujourd'hui, on va s'affronter tous ensemble sur plein de mini-jeux. C'est les Olympiades de la G-Corp, je sais que tout le monde est hype. Ouais. Ouais. Du coup, il n'y a pas d'équipe, on est en mêlée générale. Le premier jeu... Attends, un petit cri de la victoire parce que Yann n'est pas là. Yes. Voilà. Malheureusement, Yann a raté son train, il n'est pas là pour le tournage. Il a des galères de train, merci de la SNCF. J'ai 13h, j'étais censé arriver à 13h à Paris. Je ne suis pas encore parti de Lyon. Est-ce que c'est bon pour vous? Du coup, premier jeu curling. Corentin, il va falloir que tu me tires trois duels. Ok, Corentin. Élise. Cam. Ouais. Wow. Steph. Contre Élise, Steph. Ça commence. Du coup, Mel, Alex. Comme vous pouvez le voir, du coup, le mini-jeu, ça se présente comme ça. Je vous fais un test. C'est pas du training. C'est clairement du training. C'est noir. Là, c'est noir. Je gagne un point. 5 palets chacun. Coco versus Camille. Tu veux commencer? Shifumi, peut-être? Shifumi. Tu commences. Ok, comme c'est les bleus. Celui-là, il finira là, finira dedans la fin, Cam. Fais-moi confiance. Du coup, c'est à la fin que ça compte. Oui, c'est à la fin que ça compte. C'est comme la pétanque. D'accord. Boule devant, boule d'argent. Un partout pour l'instant. Waouh. Oui, voilà. Dommage. Je te cache pas que si tu peux éliminer Corentin, jeu 1, je suis chaud de ouf. Bâtard. Égalité pour l'instant. Non. Oh, dommage, un peu plus fort. C'est pas loin, Cam. C'est chaud. Oh, il va tenter le strike. Oh, bien joué. Allez, 4-3. Joli coup. Mais t'es obligé de faire ça. Oui. Attends, je vais en reposer un. Quoique, je vais le garder. En fait. C'est trop chiant. Je n'ai pas du tout envie de jouer contre Coco en jeu, clairement. Ça a marché, ça m'a déconcentré. Elle est perturbée. Arrête. Je te dis pas ça. Là, c'est allez, confisqué. Oh, voilà, hop. Le karma. Coco pour le tir. What? Attends. Ouais, t'as toujours les 4 points. Allez, Cam. 6-5 pour toi avant le dernier lancer, là. Ah oui, ah oui, 8-5. Faut que tu fasses le 3 ou le 4. Oh, concentre-toi. Il va mettre un missile, gros. Oh, le crack. Okay, il a tout sorti. Il a gagné. Oh là là, 4 à 2. Tu t'es bien battu, mais t'es tombé contre un joueur de l'âme. Mais vous avez vu qu'il a tapé le sien, c'est un coup de chat. Corentin, qui part. Qualifié pour la grande finale. En finale. Steph versus Élise. Shifumi. Non, attends, mais c'est une malade mentale, t'as fait caillou-ciseau. Ouais, ça c'est interdit ce que t'as fait. Moi j'ai vu ciseau, moi. L'arbitre, j'ai vu ciseau. C'est lui le patron. C'est toi qui choisis du coup, Élise. Non, en vrai, j'ai pas voulu tricher, je fais pas caillou. Ok. Oh, c'est fort. Non? Non, c'est bien. Deux points pour Élise. Joli. Ça annonce la couleur tout de suite ici, hein. Oh, Steph qui a peut-être tapoté. T'as plus de 50% dans le 2, donc c'est un 2 points, je dirais. Oh, elle va se faufiler. Il y a ex aequo là actuellement. Ouais. Ah, pardon. L'ex-aequo toujours. Là, va falloir créer du jeu. Trop fort. Ah, c'est fort. Élise, en plus, elle joue en dernier là. Tu peux juste te placer à un point histoire de lui mettre la pression. C'est fort. Fais chier, quoi. Tu fais la même erreur. Et voilà. Oh. Bien calé. C'est un 1 ou un 2 c'est un 1. Donc, Élise. Élise qui gride. Oh, ouais. Et le gride qui passe. Attends, non, c'est un 2 ça. Ça, c'est un 2. Elle a gagné. 2, 3, 4. 5, 6 à 1, 2, 3, 4, 5. Élise passe en finale. Si je suis détruit. Ça se joue à pas grand chose. Le grid à 4 points avant-dernier tir, non. Ok, next. C'est Meluna. Shifumi. Vas-y, tu décides. C'est quoi la strat? Tous ceux qui ont commencé ont perdu. Tu peux commencer, Mel. Moi, j'ai la pression comme si je jouais à Valo. Oh, dommage, un peu trop fort. Donc là, gagnant, on est en finale à 3. Avec son nez, il touche. Son zen, il touche la table, frère. C'est quoi cette équipe? Alors, c'est coupé, j'ai le pif ou pas? J'ai le pif non, ou pas? Non mais arrête avec celle-là, elle est pas ouf. Mel, faut juste de l'aim, comme Valo, tu vises l'orange. Tout en te plaçant, c'est pas mal. Ah, pas mal. Pas mal, Mel. Ok, c'était nul en fait, t'as vraiment eu de la chance pour le premier temps. Peut-être de la chance vu comment il a célébré. J'ai du pif ou pas? Elle est belle. Oh. Dommage. Elle touche. Allez, Mel. Pas grand monde avec moi dans cet open space. C'est pas mal ça. Oui, super. Oui, mec, il passe devant. En plus, c'est un 3 ou un 2? C'est un vrai mid. Hein. C'est un 2,5. C'est 2,5. Ouais. C'est un mid. Waouh, il est pile au milieu, j'ai l'impression. Tu le lances avec le pouce, vous? Non, il y a égalité. Oh, il est magnifique. Fait. Il est magnifique. Il y avait égalité là. Si tu mets un point, t'égalises. All grider. Oh, dommage. All grider. Il a perdu. Ouais, mais.
Bienvenue en finale. T'es trop forte. Bon, en finale des losers. Là, il va y avoir deux finales. Donc les losers d'abord. Bien sûr, vous voulez pas faire ça en off, quoi, parce que ça intéresse pas les gens, quoi. On n'a plus que 4 palets et pas 5. Du coup, il y a l'arrivée des orange stickers. Allez, c'est parti. C'est les nouveaux palets. Là, vous jouez à 3 sur la même grille, du coup. On a gagné le tournoi. Allez, hop là. Ça commence mal, en tout cas. Oh, mais dommage, c'est un 2 points. Oh, mais... Touche. J'ai l'impression comme en LAN, c'est ouf. T'as déjà joué en LAN, toi ? Jamais. C'est ce que bien ce que je me disais. C'est bizarre que tu lances avec les deux doigts comme ça fonctionne. C'est bizarre, hey, pas mal, c'est pas mal. Pourquoi Oh non. Oh, Cam, tu fais qu'un effort. Okay. Bah moi je fais top 6 là. Okay. Je tente un move. Hein. Oh, le frère. Il a viré ses trucs et il t'a mis 2 points. Cam, faut que tu vises vers la droite et que t'ailles. Ah, tu sais qu'il a qu'un point, Steph. Hein. Oui, ouais, il a dans qu'un tous point. Les cas, t'es devant Steph. En fait, oui, mais elle. Viser vers la droite pour devenir devant toi. Bien. Du coup, le classement. Je sais pas, mais Steph est juste dernier. On répète, du coup, Steph est dernier. Dernier. Camille 5ème et je suis 4ème. J'ai l'air premier degré. Soit on va en haut, soit on va en bas. Et celui qui est tout seul, est choisi de l'ordre de passage. Moi, je suis obligé d'être dans un camp. On se décale. Go! Go! Ah bah, Mel, tu choisis. Je suis la dernière. Du coup, c'est toi. Ensuite, qui commence? Toi, 2. Ok. Ouh, directement, un peu de pression ici. C'est le grand final du curling. Ouh là là, la pression. Musique épique, s'il te plaît, mon père. Ah, fais chier. Ok, super, allez hop. T'aurais jamais dû prendre la place de Steph. C'est bien après 6ème place, Steph. Je me place. L'effet boule de neige de malade. En fait, les filles, faut rester dessus. Faut pas que je mise premier, j'aurai trop de points d'avance après. Oh, le karma va vite. Ouh, non, c'est un 3 points, ouais, non? C'est un 3 points, c'est un 3 points. Wow. C'est chiant, quoi. Putain, vraiment trop de points d'avance, quoi. Ah, dommage, vraiment. C'est le foot, c'est après mettre dans les cages. Est-ce que je casse les couilles et je tape tout? Eh, envoie un gros missile. Elle a tout cassé. Elle fait au milieu. On est trop nuls. C'est pas grave, j'étais en finale. C'est quoi cette finale en carton, là? Après, vous êtes deuxième ou troisième, c'est bien. Il y a des gens de finale, hein, par contre. Oh! Bon, bah, moi, j'ai 0. Essaie de virer mon 3. Si t'arrives à virer mon 3, tu peux finir première. Corentin qui gagne, c'est ça? Ouais, Corentin, Mel, Élise. Y'a pas de point d'avance du coup, c'est que du classement? C'est que du classement. Je fais un petit récap. Du coup, Corentin premier, Mélina deuxième, Élise troisième, je suis quatrième, Camille cinquième, Stéphane sixième. On passe au, Tire à l'arc. Tire à l'arc. Jingle. Let's go, jingle. On a 3 tours chacun, 2 flèches par tour. Comptabilisation des points, donc chaque tour vous faites des points. Ça va faire un global final, ça déterminera le classement. Il n'y a qu'un classement final, il n'y a pas de finale, demi-finale. Exactement, pas d'égalité. S'il y a égalité, on trouve un moyen de se la régler. Pff, faut pas grid là. Allez Steph. Oh. 8 points pour 8 Stéphane. 8 points. Oh. 9 points. Attends Cam. Allez Cam. Oh. Oh, c'est un 8 ça. 8, c'est un 8, ouais. Attends, mais la flèche, elle me gêne. Ah oui, il faut la lever. Ah non, il faut laisser les deux. Imagine, je vise 10 après, comment je revise 10? Bah, c'est pas, justement, c'est comme ça, comme les vraies épreuves d'archer. On vote. Qui est-ce qui veut laisser les flèches? Qui est-ce qui veut lever les flèches? Allez, on enlève. Allez, ferme ta gueule. Let's go, ta mère. Waouh. 0. Vous fermez un œil ou pas pour viser? Ouais, j'ai fermé. Elle a fermé les deux. Yes! Oui! Tu attends, Alex, tu veux peut-être que je te l'enlève? Petit extrait de Yann qui attend à la gare. Faut que tu lances encore plus fort, Alex, encore plus fort, c'est pour ça qu'elle collait pas. Nope! C'est un double toi, 0. Allez, Elise, focus s'il vous plaît. Bien récompensé, je trouve, pour le tir que c'est. Vous me l'avez énervé, là. La vise à côté. Oh. Zéro. Attends. Je me suis fait super mal. Ça, c'est bien foutu de ma gueule, mais c'est à votre tour là. Oui, mais t'as fait double zéro, Rouya, c'est bon. C'est qu'à partir du moment où tu touches le truc, c'est meilleur que toi. Je sais pas si tu te rends compte du truc. Bah, Yann, il a fait pire que moi. Yann, il est pas là. Bah, ouais. Oh, 9. Un 9, un vrai 9. Ah. Ça, c'est un point. Ça, c'est un point. Ça va, ça te fait un 10, mais c'est ok. Allez, Coco, time to choke. Pour l'instant, Stéphane est devant tout le monde. Hein. Ah, c'est pas ouf. Ah, 8. C'est un beau 8, ça. T'es combien, Alex? Moi, je suis avant 10. Waouh. Oh, 10 encore. Ah, malheureusement, la sixième qui est tombée. Elle est collée. Et c'est un 10. Et c'est un 10. 6, ok. Ouh, le 7. 7. Franchement, Camille... C'est à toi, Alex. C'est à moi, allez. Ça fait un 6. 6. En fait, tu tiens mal, Alex. Waouh. C'est pas mon jeu. C'est pas grave, Elise, pas grave. Franchement, vous êtes trop méchant avec moi, trop gentil avec tout le monde, je trouve. Oh, allez, Bégita. C'est bon, j'ai compris. Tu l'as tu. Ok, Mel, actuellement, je crois que t'es bien dans le classement. Faut que tu continues de... Tu peux aller chercher le top 2, Mel. Allez, Mel. 0. Allez, y'a R, Mel. Je trempe sa mère. Sinon, tu tires un peu moins fort, mais tu mets plus de bullet drop. Oh, ouais, elle a fait
comme moi. Elle a fait le premier, après elle a fait 10. Les conseils de Corentin, ils sont pas dégueux. Allez, Coco, un petit 7 et un petit 6. Oh, c'est pas ouf, ça. Coco Régu, quand même. Hein. C'est Régu dans la médiocrité. C'est chiant, gros. C'est un point. Ouh, c'est pas ouf, ça. Dernière manche. Après, changeur de LAN, à tout moment, dernier truc, je t'ai fait 10-10, hein, fais gaffe. Ah, 8. 8. C'est pas ouf, ça. Non. 6. Je crois, mathématiquement, c'est rattrapable. 7. Waouh, le 9. Il est parti 9. Une vitesse. Pourquoi est-ce que tu peux bénir ma flèche, s'il te plaît? Bof. Il a bof en vitesse, on a perdu. Allez, ça va, je suis dernier de fou, là. Tu peux m'aider au moins à pas être dernier. Dernier. En vrai, tu peux rattraper. T'es genre à 6 points. Bien, Alex. 8, 8 ou 7, là. Non, 8, c'est 7. Et tu viens de doubler tes points. Pour moi, c'est un 7. Ah non, mais en fait, il y a deux tracés blancs. Non, non, c'est, par contre, c'est un 7 tous les jours. C'est 7. Marre, si tu fais un putain de score, il y a un monde où Corentin est 4ème. 7, c'est OK. 7, 7 et 7. Ah, oh, c'est 9. C'est un 9. C'est bien, Mel. Wow. C'est pas mal. 8. 8, c'est bien. Allez, focus. 9. 9. Putain, il va être deuxième. J'ai le classement. Je commence par en bas. Alexandre. Vous me laissez faire les vannes un peu dans cette vidéo, là, s'il vous plaît. Sans surprise, je suis dernier. Élise est cinquième. Oui, je voulais que je donne les points. J'ai fait 20 points. Ah, j'ai mis 11 points dans la gueule. Élise a fait 31 points. Ensuite, nous avons Mel. 36 points. Avec 36 points pour Mélina, quand même, très beau score. Attention parce que c'est très serré entre le 4 vas-y, et le 2. Dis. Sans surprise, Stéphane gagnant à 51 points. Il nous a ouvert. Il a smurf. Allez, allez, Coco, smurf. Deuxième ou troisième, là. Et du coup, combien de points d'écart? Il y a un point d'écart. Oh, un point d'écart. Camille a 38 points et Corentin a 39 points. Ouais, le suspense était incroyable. Ah, merci, en fait, Alex, okay, pour ce jeu d'acteur. Du coup, Corentin deuxième, Camille troisième. Félicitations à Stéphane. Félicitations, rien du tout, il est deuxième. Stéphane, top 1, 51 points. Mais ce n'est pas fini parce que nous passons au ping-pong, la tournante. C'est maintenant. Mon meilleur jeu. Jingle. Du coup, ping-pong, tournante, une vie chacun. Il faut juste remettre dans le terrain. Exactement. Et je me bats. Et après, un V1 final en BO3 et on refait une deuxième manche. Et on calcule les points à chaque fois. Allez, j'ai la tête qui tourne. Oh, oh yes, oh, voilà, bah... C'est l'exemple exact que t'as donné. Bien fait pour toi. Service en diagonale. On l'a touché. Non, elle l'a pas touché. Non, elle l'a pas touché. Ouais, bah, j'ai été drapé. C'est bizarre, vous. Ah putain! Élise, éliminé! J'ai rangé la raquette. Oh le chien! Tiens, bande de chiens va! Bande de chiens! Ils font du team-up, c'est horrible! Oh, je suis Camille! Oh, je suis désolée, elle était dure! Non, t'inquiète, t'inquiète! Oh, je sens! Alex, ciao! Mec, j'ai pas calculé! J'ai pas calculé! T'as pas besoin de réécrire ça! Ah, tout ça pour une vieille balle random que je me suis pris au début, c'est terrible. Allez. Oh, mauvais service. Allez, il était pas croisé. Tu l'as fait ou c'est éliminé? Non, il est... T'as une vie en moins. Ah, si, si, je l'avais dit. Oh, le duel de titans. J'aime trop Camille, elle remet dedans comme elle peut. Les autres, ils sont en train de se faire des coups de pute, gros. Yes. Bien joué, Camille. Ouais, bravo, 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 bravo. Ah, le bâtard. Ah, c'est un bâtard. Ah, c'est un chien de la casse. Désolé, j'ai dit que je tryhardais. Du coup, le premier à 3 points gagne. Ok, il y a 2 points d'écart. J'arrive pas à jouer. Moi, je vois rien avec les reflets, c'est horrible. Je vois rien non plus. Je voulais pas le dire pour pas paraître pour un rageux, mais... Moi aussi, c'était trop dur. Je vois rien. 1-0 pour Steph. Termine le mail, c'est maintenant. Il est fatigué, pas toi. Let's go. Ah, c'est bien, mais c'est bien, c'est bien. Deux, un. Balle de match. Yes. 3. J'ai... Stéphane gagne. 6 points. Deuxième place, Mel. Deuxième manche. C'est très grave d'être essoufflé après 3 tours d'une tournante, je te le dis. Service croisé, attention, c'est parti, let's go. Oui. Ah, ça commence à être de plus en plus fort, là. Plus de vie pour Mel. Que je fais. Plus de vie pour Coco. Oh wesh. Oh yes. Ah. Oh Coco, je suis... Ah. Corentin, je fais des balles gentilles. Mais moi aussi. Ah, ça vient. Élise, sixième. C'est très mal payé. Oh, oh yes, la chatte.
Dommage, Camille. Ouais, je suis sortie. Camille, cinquième. Sortez-moi, Alex, là. Putain. Je suis out. Oh, le salaud. Oh, yes, ouais. Look at me. Elle est belle. Oh la chatte. Con. Oh la chatte. Non, j'ai voulu le mettre pas trop méchant, mais... Je me prends des coups, des rebords, des filets, c'est terrible. Elle fume le, s'il te plaît. Bon là, qui va trop parler après. Oh, nice. T'as le level up, Alex, quand même. Nice, Alex. Ouais. En fait, c'est bizarre, tu fais des coups de ouf pour faire de la merde de ouf derrière. Dehors. C'est sérieux? Vraiment, c'est Alex qui donne les points. Oh, pas mal, là. Yes, sir! Carton plein pour Stéphane sur le ping-pong. On s'en refait une encore? Moi, je suis chaud pour une dernière. Moi, je suis chaud pour une dernière. Je suis chaud pour une dernière. Ça m'avantage pas, mais je suis chaud. C'est très, très kiffant. Prêt? Oh, oh, le doigt. On a senti, on a senti. Oh. Ah, chien! Le doigt, ah, le doigt. Mais les... Alex choque. Oh. Tout le monde assure, ça me fume. C'est un record du monde, là, je vous le dis, par contre. Non ouais. Grider de fou. Je suis un grider de fou. Allez, on a une chance, là, les gars, on a une chance. Oh, le bâtard. Le doigt. À qui reste une vie, là, par moi? Toi et Alex. Non, moi, j'ai plus de vie. Ouais. 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 Me too, me too. Oh, putain, on a plus trop mort. Oh le bâtard! Steph, tu sors! Oh le bâtard! J'aurais jamais dû accepter de faire une dernière! En plus, cette partie compte triple! Donc, donnez tout! Oh oui! Dommage, Alex! Bien fait! Encore une vie! Bien joué, Coco! Je pense que c'était ta mère parce que je la connais, mais t'as compris, hein! Oh, j'ai le seum pour toi, Elise! Ça, c'est la vengeance du petit rebord, ça. Bien joué. Mel, elle va scorer, là. Et attends, elle était deuxième sur l'autre. C'est pour ça que je dis qu'elle va scorer de ouf. Oh, lâche. Ça fait deux fois que je suis en mode à ça. Deux. Il y a moyen que je te mette une petite prime, Mel, si tu... Tu t'es pris pour qui, toi? Bien joué. Coco, deuxième. Je crois que tu finis deuxième quand même, Coco. Il y a égalité. Ah, égalité. Camille nous fait le récap des scores. En dernière position, nous avons Élise avec 6 points. En avant-dernière position, il y a moi avec 7 points. Ensuite, on a Una avec 10 points. Corentin avec 12 points. Et il y a égalité entre Mel et Steph. Hein? 14 points. Entre le top 1 et le top 2. Oh, pétard. Oui, parce que t'es sorti super très bas tôt. Sur la dernière. C'est match en combien? 5 points? Oui. Mel, dis-toi, tu gagnes ce match, tu peux gagner le tournoi entier. Allez, 0-0. 1-0. Merde. Mel, tu stresses trop, là. Excuse-moi, la chatte. 3-0. Allez. Steph, il était, il voulait vraiment se... Ah, j'ai dit que je tryhardais. Même comme ça, je serais vraiment nul. Ouais, ça me va. Du coup, je suis premier, du coup. Allez, le foot. Le briefing est simple, on va tirer chacun notre tour. Ça va être en mort subite. Attention, parce que cette règle est très importante à savoir. Et du coup, plus on va marquer, plus les cages vont reculer. Attention, c'est pas si simple que ça. Élise commence. Ok. Très beau shoot, hein. Tu sais que j'ai la pression de dingue, là. J'ai vu comment tirer. Oh, my drug. Let's go. Il l'a fait exprès ou... Non, il m'a fait un clin d'œil en mode il l'a fait exprès. Alors, pas du mytho. Tout. Attention, quand même. Ouais, c'est vrai que ok, super, c'est à Steph. Ce qui est bien en étant en dernier, c'est que si je rate, j'ai toujours la mort subite derrière. Mais c'est quoi la mort subite, je comprends pas? Bah en gros, ils sont égalité, eux deux. Cam n'est pas encore éliminé. Ok. Non. Mort subite entre Steph, Cam et moi. Du coup, je pense que tu peux le pousser plus loin, parce qu'on est en mort subite, tu vois. Oh, voilà. Là, ouais, bon, si je rate, je suis éliminé, quoi. Le premier qui rate, il est éliminé. Quel cas, gros. Steph, sixième. Même si tu loupes ton tir, si quelqu'un d'autre loupe, vous êtes en finale de... Des losers. Élise, okay. Tu vas dans la mort subite. Magnifique. Ouais. Pouah. Et Cam qui continue l'ascension. Get le coup franc dans l'ordi. Quel coup franc? Ok, reste plus que Mel. Ok, là Élise espère que Mel loupe, attention. Wouh. Et finale entre Mel et Élise pour savoir qui va être éliminé.
Ok, ça continue entre Mel et Elise. Ah, ça recule ouais, encore. Parce que sinon, vous pouvez rester 10 minutes. Ah, c'est un mien. Attention, si Mel rate. Attention, Mel, joueuse de LAN ou pas. Mais frère... Il a pas envie. J'arrive même pas à contrôler un ballon. Elle se bat déjà contre le ballon. Son premier combat. Pour désamorcer. Et Elise est éliminée. Taf, il est éliminé, mais attends, j'ai toutes mes chances de gagner le tournoi. Mais bien sûr. Faut que je sorte pour que tu gagnes. Tu finisses une position vraiment. Il a raté 4 fois et il est encore dedans, gros. Je comprends pas, frère. Voilà qu'il a les plus carrés. Mais gros, comment il peut être encore dans le tournoi et pas nous? Il casse les PC. Il est très impuissé. Pour moi, c'est rassurant d'avoir Alex. Et là, parce que tu dis que tu peux louper et quand même avoir une chance. Alors ça fait 4 fois et tu tires à côté, il est pas mort, gros. C'est quoi ça? Je suis devant toi. Oh, le petit effet, non. Putain, dommage. Oh, très beau chou. Heureusement que Yann ne joue pas parce qu'il est foutu, Yann. Après, c'est une oh là là, mais Mel ! Ok, ça se joue entre Cam et Alex. Casse pas un PC cette fois, s'il te plaît. Corentin m'a demandé de pas casser le PC. Je suis dans la zone. Oh là là, c'était smooth. Allez, Cam. Oui ! Yes ! Oh là 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 ! C'est ça, Camille ! Magnifique. Yeah. Magnifique, Alex. Allez, Cam, tu peux le refaire. Allez, Cam. Non ! Oh, le petit effet. Yes ! Yes ! Oh, Camille ! Yes ! Le foot, c'est un jeu d'équipe, hein, on l'avait dit de toute façon. Sachez que je suis toujours en piste. Allez, il n'y a plus que 3 candidats. Waouh. Oh non. T'as une chance, Mel, t'as une chance. Allez, fort. Nope, nope. Comme ça. Ça y est pas. Non, 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 mais ça va, abusez pas. Non, 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 non. Double poteau et pas rentré. Elise qui juge ça, ça m'embête. Non, moi, par contre, je suis vraiment d'accord, mais elle est pas rentrée. Du coup, entre Mel et Alex. Ça, c'est... Le PC qui reprend un coup. Eh, mais lui, s'il s'allume plus, gros, il s'allume plus. Hein. Allez, Mel, pour une finale 100% Hussein, pour la première et la deuxième place. Ça. Oh. Non, je l'ai pas. Et ça recule un petit peu la cage. Allez, Alex. Waouh, belle Alex. Moi, je suis en 100% de. Aïe, aïe, aïe. Aïe, finale. Aïe, aïe. Allez, 3 tirs chacun. Je tire de là. Waouh. Tu veux qu'on tire tous les deux de là? Oui. Waouh. Point, 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 point. 1-0 pour Corentin. Non! Oh, mon premier loupé! Non mais Alexandre, il peut pas gagner le foot alors qu'il sait pas faire... Par contre, je comprends pas comment il est en finale. Il en a loupé au moins 10 depuis le début. Oh, si Coco marque, c'est une victoire! C'est une balle de match! Et balle de victoire de tournoi, je pense. Même si c'est déjà assuré, je pense. Oh non! Je tire au même endroit. Faut que je le mette là, absolument. Est-ce que t'es un joueur de LAN? Allez, je fais des vraies passes. Eh, ça, tous ces trucs, je veux qu'ils soient dans la vidéo, hein, pour montrer quelle arnaque c'est. Alors peut-être. Oh, c'est une mort subite, messieurs. C'est une mort subite, le premier qui rate et l'autre qui réussit, c'est win. Hein. Un tir chacun, mort subite. Oh yes. Un jeu Corentin. Attends, balle de match. La balle de match pour Coco. Je fais une passe à Elise, tranquillou, comme au faille. Je vise pas son pied droit, je vise sur elle. Voilà. J'ai le pied gauche, en plein sur son pied gauche. Alex, c'est l'heure des comptes, je crois. Le comptage en régie a été effectué. Roulement de tambour. Encore un grand merci à vous tous de vous être rendus disponibles, etc. Bravo. C'est un super tournage. Bravo pour leur gars. Merci beaucoup. Merci à la Camille. Bravo, à part pour les règles du foot qui n'étaient pas bien précises. On a fait un autre PA à la G-Corp, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, commentaire. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez voir ces mêmes jeux durant un autre play. Et est-ce que vous voulez un épisode 2 aussi? S'il y a 80 000 pouces bleus, est-ce qu'on fait un épisode 2? 80 000? On en fait 10 de plus. J'ai 200 000. Calme-toi. 40 000, c'est bien. Mais du coup, t'as envie de le refaire? Parce que 40 000, c'est bah, moi, en fait, pouvoir jouer sans doigts, c'est cool, tu vois. Là, faut faire genre, on n'est pas énervé. Yes! Vivement le prochain, ouais. Roulement de tambour, s'il vous plaît, c'est monsieur Stéphane. À la sixième place, on l'appelle la mauvaise foi incarnée, j'ai bien dit Élise. À la cinquième place, la personne s'est bien défendue, Camille. Bravo, Camille. La quatrième place, la place des milieux, la meilleure place, je pense, la mienne du coup. Merci. C'est toi. Ah, pardon. Avant le foot, il était dernier. Hein. Ex-aequo avec Elise dans les points. Tu vois, donc s'il n'y avait pas des règles bizarres dans le foot. Le foot, elle en fait tous les dimanches, frère. Bon, bref. Du coup. Waouh. Bah ouais, mais du coup, s'il n'y avait pas des règles bizarres. Il a mis une pièce dans la machine. S'il n'y avait pas des règles bizarres, bah t'aurais fini dernier, frère. Le podium, mesdames et messieurs, à la troisième place. C'est Stéphane. Moi, je trouve les Hussein, ils ont vraiment un truc qu'on n'a pas. Genre... Attention, c'est pas fini. Parce que je sais pas, vous prenez un peu la confiance, etc. Mais c'est pas terminé encore. Il y a Yann. C'est vrai que j'ai pas dit Yann. On rappelle Yann, septième position. Je vais le démarrer. Deuxième place. Est-ce qu'on peut faire comme dans Miss France? C'est quoi? On se tient comme ça et on fait... Non, la seconde place, elle est pour Mélina. C'est Coco qui gagne. Merci à tous pour la vidéo.
Merci à la réal, à la régie, les personnes en bas qui nous aident. Merci à tout le monde. Merci à tous.